Bonjour, je m'appelle Marie-Jeanne Marty. Je suis créatrice de coachforleader.fr, qui est une entreprise de consulting. Je suis spécialisée plus largement dans la communication écrite et orale, mais aussi dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer comment fonctionne le réseau social et surtout comment booster sa carrière grâce au réseau. Pour booster votre carrière grâce au réseau, eh bien, vous constaterez très souvent autour de vous que les gens qui font une brillante carrière ont bien souvent un réseau très étoffé. Il faut donc se préoccuper de cette question dès que possible, dès que vous commencez à travailler. En fait, le réseau sert à beaucoup de choses dans votre carrière. Il sert à vous faire grimper dans la hiérarchie, accéder aux meilleures opportunités, mais aussi réussir à mieux manager, à avoir de l'information. Faire du réseau dans votre carrière, c'est très simple. Cela revient à parler avec un maximum de gens, travailler avec eux, échanger, bâtir des projets. Faire du réseau n'a rien à voir avec les réseaux sociaux sur informatique comme Facebook ou Viadeo. Ça en fait partie, bien sûr, mais faire du réseau, c'est avant tout dans la vraie vie que ça se passe. Et donc, il n'est pas besoin d'être très pointu en informatique ou de passer des heures sur son ordinateur. Faire du réseau, c'est rencontrer les gens. Faire du réseau, c'est rencontrer toutes les personnes que vous êtes susceptible de connaître à l'avenir et aussi entretenir et fidéliser les personnes que vous connaissez déjà. Voilà, vous savez maintenant comment booster votre carrière grâce au réseau. Vous pouvez trouver ce conseil légèrement approfondi ainsi que bien d'autres sur le sujet dans un livre dont je suis le co-auteur qui s'intitule « Cultiver et développer vos réseaux » aux éditions ESF Collection Management ».